Bonjour à tous et bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane. Merci à vous d'être en notre compagnie pour ce nouveau numéro de Droit de réponse, votre émission de débat hebdomadaire sur Equinox Télévision. Avec nos chers invités, nous décrypterons les sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. D'abord, la circulaire du chef de l'État relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2018, document relayé par la presse il y a quelques jours et que certains tabloïds donc commenté en estimant qu'on y retrouvait des omissions. Le président de la République, dont les directives édictées dans cette circulaire pour le budget à venir, n'a nulle part mentionné les échéances électorales à venir, ce qui, de l'avis de quelques journalistes, pose problème. Au-delà, on apprend de ce document qu'une fois encore, réduire le train de vie de l'État est une priorité pour ce budget-là, mais également parachever donc le plan, la mise en œuvre du plan d'urgence triennal débuté en 2015. Nous nous arrêterons donc sur cette sortie du président de la République à travers cette circulaire dans cette édition de Droit de réponse. Nous en parlions déjà dans nos plateaux il y a quelques semaines et malheureusement, les récents événements nous donnent raison. La situation à l'extrême nord du pays devient préoccupante. Une quinzaine d'attaques en un mois seulement et près de 30 morts. Sur la même période, la secte Boko Haram semble reprendre du poil de la bête. Que se passe-t-il à Kolofata et à Mora? Comment faire face à ce nouveau regain de vitalité des terroristes? Peut-on y faire face? Nous parlerons également de cette situation dans cette émission. Et avant de refermer ce débat, un mot sur le premier forum de la diaspora qui est annoncé dans la capitale du 28 au 30 juin prochain. Que peut-on attendre d'une telle rencontre? Je poserai la question tout à l'heure à mes invités. Mais avant cela, vous le savez, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus cette semaine. Bon dimanche à vous, Flavien. Bonjour et bonne fête à tous les fidèles musulmans. Merci pour les fidèles musulmans. Merci pour cette fête. Et alors, on revient donc sur les sujets prévus cette semaine. D'abord, je le disais, cette circulaire du président de la République donc relative à la programmation du budget de l'exercice 2018. Alors, la question, selon dans la presse notamment, la question du budget 2018 intéresse la presse. On a vu tout au long de cette semaine les journaux qui sont revenus, et avec notamment chaque journal qui allait de sa sensibilité pour traiter de cette question notamment. Alors, pour Mutation, par exemple, le Poubia ne prévoit pas d'élection en 2018. C'est ce qu'on a pu lire à la une de ce journal. Selon le quotidien, la circulaire relative signée mardi dernier ne fait pas mention donc des quatre scrutins censés se dérouler l'année prochaine, et selon bien sûr le rédacteur de l'article qui s'étale d'ailleurs sur trois pages et qui signait donc du chef de l'État, donc qui donne aucune orientation sur les élections prévues en 2018, mais fait la part belle donc au projet structurant. Simutation rappelle que Poubia est le seul maître, ou tout au moins reste le seul maître du jeu dans les colonnes du quotidien Mutation. Pour ironiser un peu, il est dit que nul ne c'est ni le jour, encore moins l'heure, où le chef de l'État prendra l'engagement ou tout au moins la décision d'organiser les élections au Cameroun. Même si par ailleurs, Mutation rappelle que selon bien sûr Ilecam, que le gouvernement camerounais avait donc financé la dernière présidentielle à hauteur de 21 milliards de francs CFA, et ce sur fonds propres du Cameroun. Alors c'est à découvrir dans le journal ce qu'on a pu lire ce matin. Et sur cette question donc, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune fait savoir que les postes de dépenses sont plutôt à surveiller. On parle par exemple des consommations de l'électricité, des téléphones, l'achat et répartition des véhicules, la subvention et autres ressources alloués donc au comité et commissions feront désormais l'objet d'une allocation donc rigoureuse, selon bien sûr le journal. À la suite donc de tout ça, Cameroun Tribune ne fait aucune mention sur les scrutins à venir censés donc se dérouler en 2018. On observe néanmoins que la circulaire du 20 juin dernier ne mentionne nulle part le budget des élections pour l'année 2018 au Cameroun. Alors, c'est ce qu'on a pu lire également dans le journal concernant ce budget, et la plupart des journaux n'ont pas beaucoup traité de cette question, même si quelques-uns sont restés sur cette affaire pour dire qu'il y a bien des choses que le chef de l'État devrait faire, en tout cas beaucoup plus pour 2018. Il y a également des chantiers qui ne sont pas achevés. Il a mis un accent dessus. La presse est revenue également en essayant de décrire un peu le fonctionnement du Cameroun. Alors, autre sujet, le second notamment de ce grand rendez-vous de droit de réponse, concerne bien entendu la résurgence des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord, la région notamment. Alors, pour le quotidien Le Jour, la localité de Kolofata ne cesse
cesse de compter les morts suite donc aux attaques de Boko Haram. Le rédacteur de l'article rappelle qu'il y a eu 10 personnes tuées donc en 24 heures, 8 à Kolofata dans un attentat suicide et 2 réfugiés nigériens tués donc dans la localité de Fadié. Dans le quotidien Le Jour fait savoir que le nouveau mode opératoire de Boko Haram est moins maîtrisé par les membres du comité de vigilance qui aujourd'hui ne maîtrisent plus trop cette façon de faire, mais observe quand même qu'il y a des pistes qui sont donc renouées ou sont tout au moins relevées par la population qui aujourd'hui commence peut-être à perdre confiance. Pourquoi? Pour quelles raisons? De toute façon, le journal est resté sur cette affaire pour dire qu'il y a donc des méthodes à revoir, les méthodes de travail bien sûr, de ces membres du comité de vigilance. Pour les Sahel, au-delà donc de l'annonce du nombre de victimes, précise que les kamikazes ont ciblé un groupe de jeunes volontaires qui curaient les caniveaux et parmi eux, des élèves venus donc passer des vacances dans leur famille. Le journal L'œil du Sahel rappelle que certains parents déplacés qui s'apprêtaient donc à retourner dans leur village ont donc dit qu'ils ne rentrent plus à cause notamment de ces multiples attaques et selon notamment le journal d'ailleurs, le journal Repère qui parle donc aussi de cette ses actions de Boko Haram, va plus loin dans le traitement de son information pour dire que le Cameroun serait donc en train de perdre une éventuelle aide que le département d'État américain lui apporte donc dans la lutte contre Boko Haram. Et selon bien sûr le rapport, le Cameroun ne reste pas à marge donc des droits de l'homme. Aujourd'hui, le Cameroun est placé comme le mauvais élève dans le cadre du respect des droits de l'homme au Cameroun, donc dans notre pays. Alors sur le plan sécuritaire, dans la guerre contre Boko Haram, c'est un véritable problème. Et le journal va plus loin et ajoute qu'il y a le mauvais traitement de la crise anglophone qui pourrait donc apporter d'autres aspects relevés par le rapport qui a été donc fait par les organisations internationales national sur le respect des droits de l'homme au Cameroun. Voilà quelques aspects évoqués par le journal et comment est-ce que ces sujets ont été traités par la plupart des journaux. Et comme vous l'avez également dit, on parlera aussi de la diaspora, ce forum qui va se tenir donc du 28 juin au 30 de ce mois. Exactement. Merci à vous, Flavien, pour ces précisions et cette revue de presse. Et une fois encore, bon dimanche. Merci. Merci à vous. On va donc découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de Recon. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous le docteur Pierre Alakalaka. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir associé à votre merveilleuse émission. Alors vous êtes économiste fiscaliste, vous avez commis plusieurs ouvrages en ce domaine. Vous êtes à la tête d'un cabinet spécialisé justement dans les questions de fiscalité et finances publiques. C'est exact. Merci d'avoir accepté une fois encore d'être avec nous. Bonjour à vous, docteur Raoul Sumotayo. Bonjour madame, bonjour à vos téléspectateurs. Je suis content d'être là pour une très longue absence. Mon plaisir est d'autant plus grand que je retrouve le docteur Alaka qui, après un accident, est là. Il a pu gravir tous les escaliers, je suis content. Et puis, je voudrais partager ma joie avec vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur en questions de défense et de sécurité. Et vous avez justement récemment soutenu une thèse de doctorat dans les questions de stratégie de lutte contre le terrorisme, entre autres. Oui, c'est le peu que l'on peut en dire. C'est un peu compliqué. Non, pas tant que ça. J'ai revisité la gouvernance des périphéries du Cameroun. J'ai remis en question un certain nombre de lieux communs sur les frontières africaines. Ça a été, sans prétention aucune, une sorte de révolution épistémologique, parce que vous savez, pendant longtemps, les Africains ont passé le temps à pleurnicher sur la question de leurs frontières, considérées comme la source de tous les maux. Voilà, j'ai essayé de changer de regard. Je prends juste un exemple. Pendant longtemps, la présence des peuples de part et d'autre, la frontière était considérée comme un stigmate de la colonisation, comme un problème. Aujourd'hui, je perçois ces peuples-là comme une opportunité de coopération. Dans un contexte d'échec de l'intégration par le haut, la présence des peuples dits traits d'union peut constituer un atout, justement, pour la construction de l'unité de l'Afrique. C'était un peu ça, quoi. On en parlera tout à l'heure et on verra peut-être si les questions des frontières peuvent être une solution peut-être pour éviter l'instabilité qu'on observe dans ces villes frontalières. Bonjour à vous, Elimbi Lobia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir associé une fois de plus à la réflexion. Je me joins au docteur Tayou pour me réjouir très publiquement de la santé que le docteur Alaka a recouvrée. Je dois dire que
beaucoup de ses amis, parmi lesquels moi-même, nous avons été très émus du drame qui lui était arrivé et nous sommes heureux qu'il nous retrouve de nouveau dans ces grands amphithéâtres que vous organisez pour essayer de faire en sorte que la pensée globale dans le pays évolue. Merci d'être là, homme politique. Vous êtes également conseiller municipal à la commune de Douala 5e. Bonjour, bon dimanche à vous, Edmond Kamga. Bonjour, Albertine. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue également tous les copanélistes ici présents, en particulier le docteur Alaka Alaka, qui est de retour après une période difficile qu'il a traversée. Je lui souhaite de se rétablir totalement, convenablement, pour être toujours aussi présent avec nous. J'adresse également mes sincères félicitations, n'est-ce pas, au docteur Raoul Soumoutayo, qui a, n'est-ce pas, soutenu récemment sa thèse PhD en histoire. Merci à vous donc, cher monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc commencer directement ce débat par le premier sujet. Je parlais de cette circulaire du chef de l'État rendue publique cette semaine, relative donc à la préparation du budget de l'année prochaine. Le document fixe les orientations générales de la politique budgétaire ainsi que les dispositions pratiques pour l'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2018. Un document qui globalement présente donc les priorités de ce budget. Edmond Kamga, on va commencer avec vous. Au-delà des directives du chef de l'État, dans ce document, la presse, les journaux en général sont revenus sur ce qu'ils ont considéré comme étant une omission. Le chef de l'État nulle part n'évoque les échéances électorales à venir, de 2018 notamment. Est-ce que pour vous cela pose un problème? Comment est-ce que vous avez apprécié cette sortie de la presse cette semaine? Oui, d'abord, il faut dire que la circulaire que sort le chef de l'État, n'est-ce pas, pour fixer la politique générale budgétaire ainsi que les dispositions pratiques pour l'élaboration du budget de l'exercice en cours ou prochain, notamment dans le cas d'espèce, c'est l'exercice 2018, c'est quelque chose de normal et d'habituel. Par contre, c'est le contenu qui pose problème par rapport à tout ce que le Cameroun est en droit d'organiser. En termes de compétition, que ce soit sportif ou électoral, et la presse a beaucoup insisté sur un aspect, sur l'aspect électoral, parce que le document rappelle le cas de l'organisation de la CAN, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique des Nations, mais semble avoir oublié des échéances électorales qui sont très attendues. Il y en a plusieurs. Il faut dire qu'il y aura les sénatoriales, il y aura les élections législatives, les municipales, et puis les présidentielles, et éventuellement les régionales qu'on attend depuis très très longtemps. Donc la presse a beaucoup mis l'accent là-dessus. La plupart des médias d'ailleurs, de la presse privée, ont focalisé sur cet aspect-là. On n'a pas ressenti la même implication ou le même accent dans les médias d'État qui ont rendu compte, tout simplement, donné le contenu, n'est-ce pas, de cette circulaire. Mais la presse privée a mis l'accent, a focalisé sur ce point qui suscite des interrogations. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle cela suscite effectivement des débats dans les chaumières, mais également dans les partis politiques et au sein de la société civile. Élie Bilobé, est-ce que cela pose problème que le chef de l'État n'ait pas mentionné justement ces échéances électorales dans cette sortie, en rappelant par exemple qu'il a parlé de grands événements comme la CAN 2019? Est-ce que pour vous, il y a une omission quelque part? Je veux dire à tous les acteurs politiques, notamment de l'opposition, que nous avons pris une mauvaise habitude de perdre notre temps dans des conjectures inutiles. Moi, je ne sais pas ce que ce débat nous apporte. Tout le monde sait, sauf si les gens veulent continuer à montrer au président de la République qu'il les surprend. Mais tous ceux qui sont sérieux savent que la manière de gouverner du président, c'est de se placer tout le temps dans une posture énigmatique, de jouer le mystère, pour qu'on dise qu'il a le dernier mot. Ceux qui veulent continuer à avoir ce type de comportement spéculatif, ils n'ont qu'à faire. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Les élections auront lieu. Un point, c'est tout. Le budget se vote en novembre. Elles auront lieu. Qu'est-ce qui vous rassure dans cette position? Je n'ai pas besoin d'être rassuré. Elles auront lieu. C'est un impératif catégorique majeur. Si elles n'ont pas lieu, c'est une faute. Les élections auront lieu, les mandats vont se terminer. Le mandat des sénateurs va se terminer en avril.
Le mandat des députés va se terminer en septembre. Les prorogations le mandat, existent aussi. Hein. Mais les prorogations sont des situations exceptionnelles qui doivent se justifier. En l'état actuel des choses, aucune situation exceptionnelle nous amenant à penser qu'il y aura des prorogations. N'étant là, ceux qui pensent aux prorogations consacrent tout simplement qu'ils sont convaincus qu'il y a une telle mauvaise gouvernance que eh bien, le président de la République a créé les conditions pour qu'on ne sache plus si dans un pays il y aura les élections ou pas. Mais nous, nous sommes dans une lutte, chers compatriotes, chers amis, chers frères de lutte. Nous sommes dans une lutte, n'oubliez pas ça. Nous sommes dans la lutte pour que les choses se passent normalement. Donc nous ne devons pas faire des conjectures dans la probabilité qu'un mauvais dirigeant va faire une nouvelle fois une mauvaise chose. Je voudrais terminer en disant, oui, je voudrais terminer en disant aux uns et aux autres que le budget se vote en novembre, pas en juin. Le président de la République peut faire maintenant une lettre de cadrage et faire une autre demain. Il n'est nulle part dit que la circulaire où il indique au gouvernement les orientations. Elle n'est pas prévue par une loi, cette circulaire. Elle n'est pas prévue par la Constitution. C'est un acte de gouvernement, c'est un acte discrétionnaire. Il est en train de dire au ministre qu'est-ce que le ministre doit mettre comme priorité. Il peut lui ajouter une autre priorité demain. En novembre, en octobre, il peut sortir une autre lettre pour lui dire. Vous ne savez pas s'il lui a déjà dit au téléphone que met 10 milliards pour les élections. Très bien. Donc ne faisons pas de spéculation là-dessus. Nous avons un président qui n'aime pas que les choses soient lisibles. Pour qu'on commence à parler de lui, qu'on perde le temps à regarder, il a dormi, on crie, il est parti voyager, il n'est pas encore rentré. Donc laissons ça, préparons nos élections. On sait que les élections auront lieu. Ah oui, c'est la question. Je vous sur la question, je partage partiellement le point de vue de M. Lobé. Sauf qu'il n'y a que les aveugles qui refusent de voir. Parce que les élections sont prévues pour 2018, elles auront lieu. Le modeste historien que je suis, quand il rentre justement dans le longtemps historique, c'est que généralement, le budget des élections est financé par un budget spécial, par des fonds spéciaux qui très souvent viennent de la Société nationale des hydrocarbures et puis qui ne figurent pas généralement dans le budget. J'ose croire, parce qu'aujourd'hui, la question est simple. Généralement, les hommes politiques, par paresse, vous évoque la question de l'illisibilité du calendrier électoral. Le calendrier électoral est connu. Tout expert en question, même pas nécessairement des experts, tout Camerounais devrait savoir que la probabilité que les élections se tiennent dans telle fourchette, vraiment devrait le savoir. Les hommes politiques, plus que les citoyens d'ailleurs, et devraient se préparer. Donc, de mon point de vue, les élections, et c'est là où je le rejoins justement, auront certainement lieu. Sauf circonstances exceptionnelles. Et contrairement à lui, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je veux dire, on a longtemps évoqué la guerre. Aujourd'hui, ce n'est pas faire preuve de pessimisme ou de fatalisme que de reconnaître que le Cameroun n'a plus d'argent. En tout cas, les fonctionnaires le savent mieux que quiconque. Il n'y a pas d'argent. Ceux qui ont les rappels en mémoire le savent. Les prestataires le savent. Il n'y a pas d'argent. Et on invoque généralement la guerre à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'exclus pas la possibilité d'une prorogation. Vraiment, là, je suis en termes d'hypothèses. Mais en vertu de la loi et en absence de circonstances exceptionnelles, les élections auront lieu en 2018. Et comme d'habitude, m'inspirant de l'histoire, comme je disais tout à l'heure, il est fort probable que justement les élections soient fixées par des ressources qui généralement ne viennent pas du budget, c'est-à-dire le président de la République donne une instruction au directeur de la FNH pour demander le déblocage. De toute façon, ça s'est vu dans l'histoire. Est-ce que l'histoire va se répéter? Ça, je ne sais pas. Je voulais juste dire un petit truc à sa suite pour dire que ce que vous venez de dire, vous devez nuancer ça. Parce que le code électoral prévoit que le financement des campagnes électorales est dans le budget. Justement, ça n'obéit plus à ce que vous venez de dire. Justement, et le code électoral précise très bien que ce budget est voté l'année pour l'année des élections. Alors justement, donc, les spéculateurs sont en droit de dire que comme 2018 est une année électorale, son budget devrait pouvoir ressortir la part réservée aux élections. Si tel n'est pas le cas, eh bien le président sera en faute avec son ministre des Finances. On n'y est pas à vous nous rejoignez un peu. Docteur Alakalaka, sur la question justement, faire une circulaire
qui mentionne justement les priorités pour le budget. On le disait tout à l'heure, et les camarons du public rapportent pour dire que les élections avaient été financées à hauteur de 21 milliards, les dernières, la présidentielle dernière, sur fonds propres de l'État. Alors, est-ce que ça ne pose pas problème de faire des perspectives sur un budget à venir sans mentionner les échéances électorales? Même si on peut, comme le dit Edim Bilobert, revenir, le président peut revenir avec une autre note sur le sujet. Je donnerai ma modeste contribution du point de vue des finances publiques. Dans un État démocratique, je crois que nous nous sommes, c'est pour ça que M. Edim Bilobert tonne pour que les élections aient lieu conformément au calendrier. Et dans un État de droit, je crois que nous en avons un, et c'est pour cela que le budget est voté, pour que les dépenses ne soient pas faites de manière désordonnée et inconnue, pour que chacun joue son rôle dans l'establishment de la légalisation et de la légalité des actes institutionnels. Alors, j'ai lu, comme tout le monde, ces circulaires et les journaux ont vu juste. Il manque un détail très important dans cette circulaire, parce qu'en finance publique, cette circulaire s'appelle la lettre de cadrage du budget de l'État. Et c'est là où le président de la République, qui dispose du pouvoir de définir la politique de la nation, indique ce qui va être pour lui les grandes priorités de l'année N plus 1. Et c'est pour ça que le fonctionnement de l'État autorise que son budget soit élaboré dans l'année qui suit l'année de l'exécution de ce budget. Donc le président de la République a le devoir, parce que c'est une procédure du travail gouvernemental, cette lettre-là. Elle n'est certes pas dans la liste des documents officiels ou constitutionnels, mais cette lettre est une lettre de cadrage qui permet au président de la République de dire ce qu'il pense. Maintenant qu'un événement comme les élections soit connu de tous et que le budget de 2018 ne prévoit pas cet événement d'envergure nationale, il y a un problème. Soit on fait abstraction de ça, dont les élections n'auront pas lieu parce qu'on n'a pas prévu le financement, soit alors les élections auront lieu et seront financées par quelque chose que nous ignorons, et en ce moment on n'est plus dans un état de droit. Donc dans l'un ou l'autre cas, cette circulaire pose tout le problème de la sincérité budgétaire dans nos états, et particulièrement au Cameroun. Regardez le budget qui est en train d'être exécuté aujourd'hui, qui n'avait pas prévu qu'il y aura une CAN en 2019. Quand j'ai dit ça, j'avais discuté avec des amis et on était un peu comme on discute aujourd'hui sur les élections. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une ordonnance qui entraîne automatiquement la mise en place ou le vote d'une loi de finances rectificative. Donc, ce qui peut arriver, c'est que peut-être en 2018, on va retomber dans les mêmes travers, reconvoquer le Parlement pour voter le montant qui va soutenir les élections présidentielles et les autres élections. Alors, est-ce qu'il peut justifier ce genre de fonctionnement, d'avoir des notes rectificatives qui arrivent après, des déficits budgétaires, des problèmes d'argent? Comment ça peut s'expliquer? Mais sur le plan des finances publiques, ça s'explique par l'absence de sincérité. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent nous cachent beaucoup de choses. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas la transparence budgétaire qui est exigée de tous les États. Et vous imaginez... ce budget, par contre, en revanche, a dit clairement qu'on va combattre les faux matricules. Et là-dessus, je voudrais mettre quiconque au défi de me dire comment on va combattre ces faux matricules. Parce que ces faux matricules, on y arrivera, parce que ces faux matricules, les faux matricules, c'est les fonctionnaires fictifs, sont connus de la présidence, du premier ministère et du ministère des Finances, et des gens qui ont chacun en lui 4 matricules. Pour lui, on les distribue. On reviendra sur la question, juste pour sortir sur cette question des élections. Les politiques qui ont réagi et la presse a donc raison de s'inquiéter de cette omission avec Montamga. Effectivement, la presse a raison de s'inquiéter de cet oubli. Je préfère mettre... Cet oubli. Cet oubli entre guillemets. Et en me focalisant sur la réaction de tout à l'heure du docteur Alaka qui parle de manque de sincérité. Et finalement, la presse a donc raison d'avoir évoqué ce problème. Et je pense que la presse est dans son rôle, n'est-ce pas, d'éclaireur, de sentinelle, de veille, de vigile. Et on voit bien, et nous l'espérons, que d'ici, n'est-ce pas,
le mois de novembre, peut-être que le chef de l'État va essayer, peut-être dans une autre circulaire, de réajuster, de permettre en sorte qu'au moment même où les députés vont siéger en novembre pour voter le budget proprement dit, qu'il y ait une lisibilité, une traçabilité, pour qu'on n'évolue plus dans une situation d'incertitude. Vous constatez bien en lisant, n'est-ce pas, cette circulaire, qu'on a bien évoqué la CAN 2019. L'oubli, on l'a oublié peut-être l'année dernière, mais cette fois-ci, on a mentionné la CAN 2019. Cela signifie qu'il y a une avancée, n'est-ce pas, au niveau des préparatifs, au niveau de l'élaboration des budgets qui vont soutenir, n'est-ce pas, la concrétisation de cette CAN-là. Donc, globalement, restons en attente de voir que demain, peut-être, il y aura une autre rectificative, peut-être aussi pour qu'il y ait une clarification sur ce point. Vous voulez réagir rapidement? Oui, je voulais dire que le docteur Alaka a évoqué la perspective d'utiliser le budget rectificatif. La notion de budget rectificatif est une notion parfaitement qui est acceptée dans les finances publiques. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous, qui combattons ce régime, nous savons que le président fait tout ce qu'il peut pour surprendre. Et nous savons aussi que certains d'entre nous ont pris l'habitude d'utiliser les élections comme une source, une rente. S'ils savent maintenant combien de fois le président a prévu pour les élections, vous allez voir les partis politiques se créer comme ça. Plein. Donc le président, peut-être qu'il ne veut pas qu'il y ait trop de partis. Pour la première fois, ça m'étonnerait d'ailleurs. Il décide donc d'attendre un peu. Comme ça, en mai ou en mars ou en juin de l'année prochaine, il va sortir son budget. Ça fait partie d'une stratégie. Voilà, ça fait donc partie de ses calculs politiciens. Pour créer le doute, peut-être empêcher, ça m'étonnerait, parce qu'il aime bien qu'il y ait 30 candidats. Mais comme nous savons qu'avec la disposition du code électoral qui fait que tout le monde ne peut plus être investi par un parti politique, nous savons en l'état actuel des choses qu'il n'y a que 22 partis politiques qui sont capables d'investir un candidat à la présidence, parce que ce n'est que 22 partis politiques qui ont des élus. Tous les autres partis politiques qui sont en train de se créer là, leurs candidats seront des candidats indépendants. Très bien. Parce qu'ils vont remplir les mêmes conditions que les candidats indépendants. Donc ce qui m'intéresse, c'est de dire à mes amis de l'opposition que en 2013, il y avait 32 partis politiques contre le RDPC. Les 32 partis politiques là étaient absents dans 115 communes. Et que le 2 août 2013, le jour où Elecam a publié les listes des candidats, ce jour-là, le RDPC avait déjà gagné 115 communes. Savoir s'il y a budget ou pas, si nous ne sommes pas en train de travailler pour corriger cet état de choses, quand il va lancer les élections, il y aura plus de 32 partis politiques absents dans plus de 115 communes, et le RDPC aura gagné avant que la compétition n'ait lieu. Alors, globalement, cette circulaire, donc traditionnelle circulaire, comme vous l'avez indiqué, pour ce qui est donc du budget 2018, le président semble très optimiste sur les perspectives à venir, perspectives économiques, et semble vouloir mettre un point d'honneur à la réduction du train de vie. Docteur Alaka, c'est un bon point déjà sur la perspective du budget 2018. Et les directives édictées par le chef de l'État. Un bon point, pourquoi? Parce que la conjoncture économique internationale est bonne. Ou camerounaise, non, pas du tout. C'est pas de la réduction du train de vie. Si, bon, oui. La réduction du train de vie de l'État, c'est un problème qui est posé depuis les années 87, depuis qu'on a commencé à connaître des difficultés. Que le président y mette quand même un point d'honneur cette fois-ci. 34 ans après. Oui, mais attendez, en 88, s'il vous souvient, vous êtes certainement encore à l'école primaire. En 88, on a vendu les voitures de l'État, le mobilier de l'État, on a déflaté, on a fait tellement de choses. Mais quand il y a eu une petite embellie, on a recommencé à acheter des grosses 4x4, alors même que le Premier ministre de l'époque avait suspendu ce genre de dépravation financière. Non, le problème, c'est que deux choses. Si la conjoncture économique du Cameroun est bonne, le FMI, le ministre français des Finances et de l'Économie ne serait jamais venu au Cameroun il y a quelques mois.
Ça, c'est un. Et deux, on ne parlerait pas de la dévaluation du franc CFA. Et trois, l'OFM, le gouvernement ne serait pas en train de négocier un plan économique avec l'OFMI sur 2 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui n'est pas de notre fait. Je l'ai toujours soutenu. Ce n'est pas le fait du Cameroun. Le Cameroun est potentiellement riche, comme la plupart des États d'Afrique. Le Cameroun est même très riche. Le problème, c'est qu'on va peut-être dire qu'on remet toujours le fardeau aux autres. Le problème, c'est que, prenons le cas du pétrole, du cacao qui va encore baisser et d'autres produits. Et ces produits sont cultivés par nous, les autres sont exploités chez nous, ils sont exportés. Alors, lorsque ces produits sont exportés, nous avons de l'argent si ces produits coûtent cher. Nous n'avons pas d'argent si ces produits ne coûtent pas cher. Mais c'est les mêmes produits, les mêmes quantités, les mêmes qualités, les mêmes volumes. On a baissé le cours du baril du pétrole. Est-ce que les exportations ont changé? Non, c'est la masse monétaire qu'on a diminuée. Donc c'est pour dire qu'on nous enfonce volontairement dans cette situation. Que font nos dirigeants? Ils devraient déjà se rendre compte que toutes les fois que nous voulons émerger, toutes les fois que le développement de nos États décolle du fait de nos produits, nous ne comprenons pas que ce soit eux qui fixent les prix de ces produits et les fixent toujours au-dessous de la norme pour nous amener à ne pas bénéficier de la vente de ces produits, donc à avoir moins d'argent. Et c'est parce qu'on a moins d'argent que nous nous trouvons dans cette situation. Est-ce que parce qu'on a moins d'argent, justement, on ne devrait pas mieux utiliser cet argent que nous n'avons pas, par exemple? D'accord, mais moi, je pense que ce franc devis, ça ne peut pas être une mesure, l'une des mesures pour tenir sur cette période difficile? Oui, il faut vivre avec ses moyens, je suis d'accord. Il faut quand même qu'un État puisse dépenser avec ce qu'il a en propre, sans endettement extérieur ou intérieur. Ça, ça va de soi, c'est une règle des finances publiques. Mais lorsque nous nous trouvons enfoncés volontairement dans les crises qui sont préparées dans des laboratoires à l'extérieur et que nous ne soyons pas en mesure de réagir, je ne peux pas avoir mon taxi. Le chauffeur vient, il me dit, j'ai le permis de conduire, je vais te payer ce que je pourrais te payer, alors que mon taxi marche bien. Je vais lui dire, ok, va avec ton permis de conduire, va le croquer. Moi, ma voiture reste là, chaque matin, je la lave. Et je vais voir des gens s'aligner, des chauffeurs s'aligner et ils vont respecter mes conditions. Si c'est 10 000 par jour, vous me les versez. Sinon, le lendemain, je reprends ma voiture. C'est ça. Nous, nous avons les matières premières. Au nom de quoi, je ne comprends pas. Certainement, il y a d'autres mystères. Nous avons des tas de choses. Nous cultivons, nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, de fixer le prix de nos matières premières. C'est les autres qui le font. Et quand ils l'ont fait, nous nous trouvons dans une situation économique où nous sommes déficitaires. Je parle là simplement. Et dans cet état de choses-là, nous devons reprocher qui? Nous devons dire à nos gouvernants, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble et défendez les intérêts de vos populations. Alors, oui, c'est la question. J'ai aimé votre chute parce que, par contre, je n'ai pas partagé le raisonnement d'avant. Parce que, voyez-vous, je suis personnellement opposé à la démarche de victimisation et confort. Qui consiste je l'ai que... dit, c'est pour ça que voilà. Je l'ai dit. Mais vraiment, c'est pour ça que je dis, voilà, j'apprécie votre chute. Vraiment, j'apprécie votre chute. La fonction première d'un chef d'État, c'est de défendre les intérêts de son peuple. Et on ne peut pas reprocher aux autres de prendre des mesures justement pour s'arranger à ce que nous soyons tout le temps à la traîne. Aujourd'hui, la vraie question devrait être qu'est-ce que notre classe intellectuelle, qu'est-ce que nos intellectuels font, qu'est-ce que notre classe politique fait pour que nous sortions de cette situation justement. Visiblement, le document qui vient d'être publié par le président de la République donne au moins des pistes de solutions. J'espère, parce que effectivement, la question de la réduction du train de vie de l'État est un serpent de mer qui revient à chaque fois. La question des fonctionnaires fictifs est connue. On ne fait rien. C'est pratiquement devenu un mode de gouvernance, parce que vous allez voir, il y a des responsables, ça se dit dans des chaumières. Quand vous êtes nommé tel directeur à tel endroit, vous avez un quota bien précis de fonctionnaires fictifs. Je crois qu'il faut venir à bout de cela. Je crois que le chef de l'État a prescrit. J'espère que cette fois, ce sera la bonne. Parce que, voyez-vous, le président Biya est reconnu, au moins pour cela, son sens de du diagnostic. Il sait faire des bons diagnostics. La thérapie ne joue pas, ne suit pas toujours, mais au moins il sait faire les bons diagnostics. Je pense que si la question de la réduction du train de vie de l'État est menée à son terme sur les véhicules et tout le reste, ce sera un pas aujourd'hui
à l'échelon supérieur, il sera question de travailler à inverser le rapport de force international. Écoutez, moi je suis d'accord avec vous. Pourquoi est-ce que depuis nous ne retenons pas notre taxi pour dire au taximan, eh bien écoutez, allez vous battre avec votre permis de conduire. Ça nous renvoie à notre problème. La capacité de nos dirigeants à s'ériger à l'encontre des politiques internationales mises en place pour ramener leur peuple en arrière. On peut peut-être en discuter. En ce qui me concerne, je pense que la question du rapport de force est essentielle. Rapport de force psychologique d'ailleurs, parce que, commençons par, j'évoquais tout à l'heure l'élite intellectuelle. L'élite intellectuelle ne fait que, est en réalité le relais des grosses thèses construites en Occident à notre niveau. Donc je pense qu'il y a un travail à faire, mais avant d'atteindre cet échelon, pour parler un peu comme les militaires, stratégique, gérons d'abord le niveau tactique. Le niveau tactique, c'est quoi? C'est d'abord la gestion de la réduction du train de vie de l'État. Et je crois qu'on devrait commencer par la présidente de la République, d'ailleurs. Alors, justement, sur la question, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, Edmond Kamga, est-il si difficile de réduire le train de vie de l'État? On en parle depuis plusieurs décennies, même, on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réduire le train de vie de l'État? Tout simplement, on dit tout le temps, il ne faut plus acheter tel nombre de voitures. Le président vient encore de dicter les directives sur la question. Mais après, ça, on reviendra toujours pour parler du sujet. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Oui, avant de répondre à cette question, je vais rebondir sur une des phrases, un des messages, n'est-ce pas, du docteur Sumo. Il a parlé de l'élite intellectuelle. Je voudrais ici qu'on puisse sérier, parce qu'on parle d'élite intellectuelle, c'est trop vaste et c'est générique. Il y a deux catégories d'intellectuels. Il y a l'intellectuel organique de l'État et les intellectuels que je pourrais qualifier d'indociles. D'indociles, c'est-à-dire que des gens, bon, on pourrait, d'autres pourraient les qualifier d'intellectuels contestataires. Mais moi, je suis du côté des intellectuels indociles. J'apprécie la contribution de ceux-là, parce que ce sont ceux qui veulent que les choses bougent, effectivement. Des gens qui ne s'arrêtent pas seulement au diagnostic, qui font des propositions pour faire avancer. Donc, aujourd'hui, par rapport à l'élite intellectuelle, je pense que ceux qui nous ramènent en arrière, c'est une certaine élite intellectuelle qui fait partie de ce que j'appelle les intellectuels organiques de l'État, notamment ceux qui se sont appropriés, n'est-ce pas, certaines positions de pouvoir au sein de l'État ou à côté du gouvernement ou à côté du chef de l'État et qui ne pensent qu'à leurs bénéfices propres, les intérêts particuliers et non pas l'intérêt général. Maintenant, sur la question qui a été posée, pourquoi est-ce que le chef de l'État, comme dans le passé, comme en 2013 notamment, parce que je n'oublie pas, n'est-ce pas, sa fameuse sortie du 31 décembre 2013. Ah, ce très bon diagnostic. Tu m'as eu. Tu m'as eu parce que... Parce que je vous assure, c'est le meilleur discours du 31 décembre du chef de l'État. De tous les temps. De tous les temps. C'était le meilleur diagnostic qu'il ait pu faire. Et la conséquence, les conséquences de ce discours-là, on l'attend encore jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'après un tel beau diagnostic, sur les dysfonctionnements, n'est-ce pas, au sein du gouvernement et dans la marche de l'État. Parce qu'il avait même conclu, mais que nous manque-t-il? On a tout. Effectivement, on a tout. Alors, quand il disait... Répond. Il a dit que quoi? Que nous avons tout. Pour répondre. On a tout pour réussir. Non, ensuite, il a répondu à sa propre interrogation. Nous sommes un peuple d'individualistes. Oui, il a dit. Plus préoccupés de réussite personnelle et non pas d'intérêt général. Oui, vous voulez que les gens qui sont préoccupés de leur réussite personnelle, effectivement, de l'État. C'est pour cela que, pour répondre à la question d'Albertine tout à l'heure, je dirais que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État parle de réduction du train de vie de l'État. Avant même qu'on entre, n'est-ce pas, qu'on se donne les mains et les pieds au FMI, n'est-ce pas, en 87. Et ce fameux discours du 31 décembre 86 aussi, il avait dit qu'il faut se retrousser les manches. Mais les Camerounais se sont retroussés les manches. Qu'est-ce qui bloque alors, c'est lui. Manque de volonté politique. C'est-à-dire, il y a ces déclarations, mais qui ne sont pas concrétisées. Parce qu'il faut que la volonté politique soit réelle, soit affirmée, et qu'il frappe du poing sur la table, et qu'il accompagne, qu'il s'assure du suivi des instructions qu'il donne à ses collaborateurs. Parce que s'il suffit tout simplement de rappeler dans les notes circulaires, faites ceci, faites cela, après, on ne voit pas de suite, il n'y a pas de sanction. Cela signifie que, véritablement, on ne veut pas de la réduction du train de vie de l'État. Mes prédécesseurs m'ont tiré une balle dans le pied parce que ils étaient en train de parler et ils oubliaient le discours
du président de 2013. Ce discours est essentiel parce que c'est le chef de l'État qui est en train de faire le constat de son échec. Et je ne suis pas très content avec l'évolution, la démarche que mon grand frère Alaka a eu tout à l'heure. Parce qu'il a omis quelque chose qui nous enseigne. C'est lui qui est enseignant. Il nous enseigne que nous n'allons pas nous développer si nous n'ajoutons pas de la valeur à nos matières premières. Et c'est là où ce que Edmond et l'autre disaient prennent tout leur sens. 34 ans, c'est le temps qu'il faut pour faire en sorte que le système éducatif d'un pays produise des gens qui savent transformer les matières premières. Si vous ne savez pas prendre le pétrole dans le sol, vous ne savez même pas calculer combien de barils il y a là-dedans. Vous ne savez pas trouver sur les 475 000 km² là où il se trouve. C'est celui qui sait le faire qui va vous dire combien il va acheter. On ne doit plus faire ce genre de débat. Nous savons que notre échec part de ce que notre système éducatif, depuis très longtemps, n'a pas été conçu, orienté pour faire en sorte que, au bout de 50 ans après les indépendances, nous soyons capables non plus d'aller sur le marché avec les matières premières, mais avec les produits qu'on a consommés là-bas. Si c'était de l'essence, du gazoil et des deux autres dérivés, le butane et les gaz et tout ça, qu'on allait vendre, on allait amener avec en fixant le prix. Mais comme nous allons sur le marché avec une matière que nous ne savons pas transformer, que ce soit le cacao, que ce soit le café, le pétrole et autres, comme disait le docteur tout à l'heure, nous ne pouvons rien faire. C'est ceux qui consomment ça, qui savent transformer ça, qui savent comment on produit ça, qui nous font simplement travailler, qui en fixeront le prix. Ce débat, je suis né, je l'ai trouvé. Et on nous parlait à l'école primaire de la dévaluation, des dégradations, des termes de l'échange. La détérioration. J'ai déjà 55 ans. Je parle toujours de la détérioration des termes. Donc moi je dis aux gens, non, nous ne sommes plus à ça. Très bien. Nous devons être à changer de gouvernement. Et docteur Alaka, d'accord. Elie Bilobi, je vais peut-être te surprendre. C'est vrai qu'il y a un déficit, qu'il y aurait un déficit de formation des cadres camerounais. Mais je vais te surprendre pour te dire qu'il y a plutôt une non-utilisation ou une mauvaise gestion des ressources humaines camerounaises. Je connais, je peux te le certifier, qu'il y a des Camerounais à l'étranger qui sont dans des firmes internationales et qui sont compétents dans ces domaines, dans tous ces domaines. Dans tous ces domaines. Est-ce que vous savez que lorsque des gens viennent signer des contrats de recherche ici avec le gouvernement camerounais pour rechercher à travers les 475 000 km², soit le fer, soit ci, soit le pétrole, soit n'importe quoi. C'est pour la plupart du temps des Camerounais qui le font. On parlera de la diaspora tout à l'heure. Je reste avec vous. Et justement, docteur, la diaspora. Sur la prise en compte de la crise que traverse la sous-région, est-ce que quand vous parcourez cette circulaire du chef de l'État, vous avez l'impression qu'elle est prise en compte la situation économique du pays dans les perspectives qui sont données aux directives? D'abord, ce n'est pas le chef de l'État qui rédige cette circulaire. Et des gens qui ne veulent pas que ça avance, c'est eux qui rédigent ces circulaires. C'est vrai qu'il y a sa petite griffe, c'est lui qui décide. Mais à la réalité, il n'y a pas beaucoup d'indices, il n'y a pas beaucoup de faisceaux d'indices qui montrent que, face à la situation grave à laquelle nous faisons face, il y a une volonté de vouloir arriver à quelque chose de positif. Je vais vous donner une petite illustration. Depuis un certain temps, on parle de la dévaluation du franc CFA. Et cette circulaire arrive lorsque ce problème était déjà sur la table. D'abord par le FMI l'autre jour et par les trappes qui circulent sur Internet. Mais qu'est-ce que j'ai regardé, scruté, que ce soit au niveau des recettes ou au niveau des dépenses ou au niveau des grandes politiques économiques, je n'ai pas vu un seul endroit où on a fait allusion à cette situation, qui pour moi est la plus importante. Parce que vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas d'économie, vous n'avez pas de finances publiques. C'est ceux qui ont la monnaie que vous utilisez qui vont gérer toutes ces questions-là. Cette illustration m'amène à vous dire que un État
qui fait face à des difficultés et qui peut cesser d'utiliser les techniques budgétaires qu'on enseigne lorsqu'on est en déficit pour remplacer ces techniques budgétaires par la planche à billets, si cet État ne regarde pas cette situation dans son cadrage macroéconomique, ça veut dire que cet État-là ne s'occupe pas en réalité des populations qu'il est amené à améliorer. Ce sera tendu à quoi, par exemple, comme mesure dans cette circulaire pour être en phase avec la situation que nous traversons? Un exemple, par exemple. Mais le président de la République aurait pu instruire qu'on commence à réfléchir sur la possibilité de s'autodéterminer économiquement et financièrement. On aurait compris. Hein? Il aurait indiqué une autodétermination monétaire, disons, monétaire, économique et financière. Mmh. On aurait compris que là, les gens vont s'engager dans une réflexion rapide pour que courant 2018, quelque chose soit susceptible de changer. Mais ça, on ne l'a pas vu. Ça veut dire qu'on va rester dans le statu quo, on va rester dans les mêmes recettes. Parce que la monnaie est une recette. Hein. La monnaie est une recette. Au même titre que les recettes fiscales, les recettes du sol et du sous-sol. Parce que quand vous avez la monnaie avec une économie potentiellement riche comme la nôtre, qui a le meilleur sous-sol du monde, il est à croire que vous pouvez utiliser votre planche à billets lorsque les impôts tardent à arriver et lorsque les ventes brutes, de produits bruts, attendent à être exécutées ou réalisées. Voilà. Alors, autre fait saillant dans cette circulaire, c'est par exemple ce comptage physique des fonctionnaires qui a annoncé. Est-ce que c'est réalisable, Élie Miloubé? Quand j'étais encore petit, j'étais tout petit, je crois que j'étais quand même déjà en sixième ou cinquième, on a parlé de l'opération, c'était Zambo. C'était Zambo. La commission Zambo. Commission ou mission, je ne sais pas. Commission Zambo. Zambo était ministre. Oh, oui. Je crois d'ailleurs de la fonction publique. Et il a entamé de compter les fonctionnaires à l'effet d'enlever tous ceux qui étaient des fonctionnaires fictifs. J'ai déjà 54 ans. On n'a pas encore fini de compter les fonctionnaires. Et on a parlé de Antilope. L'opération Antilope. Comme si l'Antilope faisait. Gaga est parti de la fonction publique. Gaga était ministre de la fonction publique. Il a engagé, il est encore vivant, vous pouvez le consulter. Il a engagé l'opération d'assainissement du fichier sort. Aujourd'hui, on l'a envoyé traquer ceux qui volent. Je veux tout simplement dire que si nous continuons comme moi, je vous vois, vous faites les émissions, là, c'est que c'est nous maintenant les responsables. Parce que nous savons où sont les maux de notre pays. Comme le professeur Alaka disait, nous savons aussi que nous avons des hommes et des femmes capables de résoudre ces problèmes. Il y a des hommes et des femmes qui sont capables d'enlever les fonctionnaires fictifs et de créer les conditions pour que ça ne se reproduise pas chaque année. C'est la seule chose qui manque, c'est que nous nous organisions pour prendre le pouvoir. Comme on va être, les élections auront lieu l'année prochaine. Il y aura 22 candidats. Nous allons échouer les élections. La question du comptage, je partage le pessimisme des autres. Sauf d'autant plus que je ne vais pas leur trouver des circonstances atténuantes. Hein. Mais la crise économique aidant, les Camerounais ont développé une ingénierie du crime, disons-le comme ça, à col blanc. C'est-à-dire, pendant que vous réfléchissez aux contre-mesures, et ils réfléchissent à comment contourner les mesures. La situation est d'autant plus grave que cette ingénierie commence par le haut. Vous essayez de vous attaquer à ce système, il vous broie. Je crois que le ministre des Finances a dû revoir ses ardeurs à la baisse lorsqu'il s'est rendu compte que tout le monde autour de lui a coalisé pour que CGPS soit bloqué et puis les salaires ne passent pas. Sauf que là, ça vient du très très haut. C'est le président qui hésite. Mais on ne bloque pas le président. Non, justement. Les fonctionnaires bloquent le président. C'est un système
Je vais aller plus loin. Moi, je ne suis pas politique, heureusement, ou alors malheureusement, je ne sais pas moi. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut inventer une nouvelle race des Camerounais. Parce que, voyez-vous, c'est le chef de service au niveau du village X où il faudra compter physiquement les gens qui sera le complice justement de celui qui n'est pas présent. C'est le directeur de lycée voilà, qui ne dénonce pas les professeurs. Voilà. Moi, je parle de celui qui n'est pas présent. C'est le directeur de lycée voilà, qui ne dénonce pas les professeurs. Voilà. Vraiment, je loue le travail extraordinaire que les militants ont fait pour stopper le processus de territorialisation de Boko Haram, c'est-à-dire la menace contre l'intégrité du territoire. Mais voyez-vous, madame, la guerre contre le terrorisme, c'est une aberration. On ne fait pas la guerre au terrorisme, on lui fait la police. Aujourd'hui, les forces de première et deuxième catégorie, la police et la gendarmerie, ont quasiment déserté la zone frontalière contiguë. Or, la principale solution face à ce type, à cette menace, face à la forme qu'elle a pris aujourd'hui, c'est le renseignement. Et le renseignement militaire est différent du renseignement classique mené par la police et consorts. Et pour finir, je crois que nos États, il n'y a pas que le Cameroun, déjà que nous sommes le meilleur élève, ce n'est pas par chauvinisme que je le dis, nous devons mener ce que les anglo-saxons appellent « order operation, other than war ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire lutter contre les racines du mal, faire une politique mener une politique multisectorielle. Or, aujourd'hui, nous avons fait de la contre-insurrection, qui est un moyen, une politique. Il y a une confusion déjà, et c'est le même type de confusion qui a conduit à la situation des États-Unis en Afghanistan. On ne peut pas faire de la contre-insurrection, qui est un moyen, une politique, une fin. Je pense qu'il est important aujourd'hui que nous attaquions aux racines du mal. Nous avons fait dès le départ un très mauvais diagnostic de la situation. D'où vient Boko Haram? J'ai une grille de lecture que j'emprunte depuis, que j'utilise depuis quelques temps. Boko Haram, et c'est pareil pour la crise anglophone, la radicalisation en zone anglophone. La radicalité est le résultat des dysfonctionnements des systèmes de vivre ensemble à l'échelle nationale et internationale. Ça, c'est ma boîte à outils. Comment vous l'opérationnalisez sur le terrain? Vous avez une situation. Qu'est-ce qui explique que des nôtres ne veulent plus être des nôtres? On peut poser la même question chez les anglophones, on peut poser la même question à l'extrême nord. Qu'est-ce qui peut... Moi, j'ai la chance, et je finis, vous permettez, d'aller au camp de Minawao, de mener une enquête, une très longue enquête. Vous demandez aux gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous demain? Vous voulez l'école? On vous dit non. Les hôpitaux? Non. Quelqu'un vous dit, nous voulons une mosquée. Ça traduit quoi? Ça traduit, vous avez des gens qui ont l'impression d'avoir tout perdu sur Terre et qui essaient de sauver leur vie de l'autre côté. Aujourd'hui, le vrai défi pour les États, c'est de dire, écoutez, les djihadistes vous promettent les vierges et tout le reste au paradis. Nous, voici ce que nous vous offrons sur le terrain. Et je crois qu'à ce niveau, nous n'avons pas suffisamment travaillé. Conséquence, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Parce que le terrorisme, c'est d'abord et avant tout une manière de voir le monde. Et on ne combat pas une manière de voir le monde avec des chars, avec des missiles. Edmond Kamga, est-ce que vous voyez également dans la situation qui arrive une responsabilité des médias? On en parle peut-être trop. On permet aux terroristes de faire une sorte de publicité, une sorte de communication en mettant tout le temps en devant de la scène ce qui se passe par exemple à l'extrême nord du pays. De ce point de vue, je partage pas l'avis du docteur Tayo, qui estime qu'en médiatisant, en parlant davantage, ça fait l'affaire. En surmédiatisant. En se médiatisant, en surmédiatisant, n'est-ce pas, la lutte contre Boko Haram, ça fait l'affaire des terroristes. C'est un avis que je trouve critiquable pour le cas du Cameroun. Globalement, sur le principe, oui, c'est un argument qui tient. Mais il dit, dans le cas du Cameroun, je me dis... D'abord, j'estime qu'on ne surmédiatise pas au Cameroun. Je pense même qu'on ne médiatise pas assez au Cameroun la lutte contre Boko Haram. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que il y a une bonne période au cours de laquelle les médias privés comme officiels n'ont presque pas parlé de Boko Haram jusqu'à ce que ça reprenne. Parce qu'on avait le sentiment que on avait repoussé jusqu'à ces derniers retranchements Boko Haram. Et même les officiels nous annonçaient qu'on l'a éteint, en tout cas sur le point de la bataille au titre conventionnel. Parce que c'est une guerre asymétrique, certes. Mais Boko Haram fonctionne sur les deux côtés, avec les deux types d'opérations, avec les deux modes opératoires. Il y a un moment, ils agissent sur le plan de la guerre classique, une autre fois, et celle-ci qui dure davantage. C'est la méthode qui n'est plus conventionnelle du tout. C'est-à-dire, on utilise les enfants, des jeunes femmes, et je suis d'accord avec vous.
Raoul, quand vous dites le fait d'utiliser des enfants, j'ajouterais les femmes, parce que de plus en plus, c'est les femmes et les enfants. Et même les femmes, effectivement, vous savez, en Afrique, quand même, l'enfant et la femme, vous savez, sont sacrés. Et même au niveau international, dans toutes les conventions de Genève et de l'ONU, lorsque, qui consacre le droit de la guerre, on reconnaît la nécessité de protéger les femmes et les enfants en temps de guerre. Et vous avez des les gens de Boko Haram qui utilisent principalement les femmes et les enfants. C'est un message très fort. Vous protégez. Oui, ce que vous protégez, nous, il ne signifie rien pour nous. C'est pour cela que je voudrais interpeller la communauté internationale. J'estime, certains soutiennent certains États, certains pays amis soutiennent le Cameroun, mais j'estime que le soutien qu'on apporte au Cameroun n'est pas suffisant par rapport à la menace qui est forte. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la force multinationale mixte. Le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger se sont concertés, travaillent ensemble et on voit bien qu'il y a des résultats. Mais ces résultats sont encore insuffisants par rapport à la menace. Parce que ce n'est pas seulement le Cameroun qui en ce moment est menacé par Boko Haram. Au même moment et simultanément, le Tchad, le Niger, il y a des attentats dans ces différents pays. Le Cameroun qui en ce moment est menacé par Boko Haram. Au même moment et simultanément, le Tchad, le Niger... Il y a des attentats dans ces différents pays. Il y a un aspect que je voudrais aborder, qu'on n'a pas encore évoqué ici, c'est de montrer la difficulté pour le Cameroun d'éradiquer Boko Haram. Sur un des points de la menace sur laquelle on n'insiste pas beaucoup, qui est très important, les réfugiés. Les réfugiés qui nous viennent du Nigeria. Qui sont ces réfugiés? Au niveau de l'infiltration des réfugiés, il est arrivé que des gens de Boko Haram soit interpellé parmi ces réfugiés, se soit camouflé parmi les réfugiés. Donc, c'est pour vous dire que Boko Haram utilise toutes les ressources, tous les moyens possibles pour rendre difficile, n'est-ce pas, la réaction. Je voudrais le dire en 30 secondes. Oui. Nous venons de fêter la journée mondiale des réfugiés. Je trouve que c'est extrêmement grave. Regardez un peu la géographie des attentats. Ce n'est pas les réfugiés qui conduisent les attentats. Je ne dis pas que ce sont des réfugiés. Les réfugiés sont infiltrés. Oui. Est-ce que les réfugiés ne peuvent pas s'infiltrer, justement? C'est une hypothèse à ne pas exclure. Mais la géographie, vraiment, je parle de la situation telle qu'elle est. Elle pourrait être telle que vous décrivez à l'avenir. La géographie des attentats montre aujourd'hui que les opérateurs partent de l'extra... Ceux qui vont dans la zone savent que c'est la platitude absolue. En saison sèche, les maillots s'assèchent, ce qui démultiplie les voies d'infiltration. Mais au-delà de ces voies d'infiltration, la plupart des localités que vous avez là-bas, vous ne savez pas où commence le Nigeria, où commence le Cameroun. Du coup, il est facile, avec les mouvements des populations, les mouvements traditionnels des populations, mais au moins, le fait que ces attentats surviennent dans des villes, Kolofata, Fotokol et consorts, traduisent au moins une chose. Les terroristes n'ont pas la capacité de se projeter plus à l'intérieur. Première hypothèse, soit le Boko Haram n'a pas véritablement pris le Cameroun pour cible. Moi, je penserais plus pour la seconde hypothèse, je m'explique. Voyez-vous, madame, je fais régulièrement cette zone. Je m'amuse à voir un peu, à étudier le dispositif. Beaucoup d'entre vous voyagent d'ailleurs. Vous savez qu'au Cameroun, encore, avec la mentalité que nous avons, surtout nos forces de sécurité, il vous est possible de voyager avec la carte d'identité d'une femme sans que personne ne s'en rende compte alors que vous êtes un homme. Avec le capsaïment, ça c'est pour utiliser le verbatim des militaires eux-mêmes, c'est encore possible qu'il y ait des infiltrations. Je parlais tout à l'heure du temps long. Regardez un peu, les contrôles dits Boko Haram, où on descendait des gens, les contrôles. Ça a baissé en intensité et consort. C'est la raison pour laquelle je penche beaucoup plus pour la seconde hypothèse. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le Cameroun doit avoir son autonomie. Vraiment, n'accorde pas une importance plus qu'il n'en faut. Tout le monde sait ce qu'il y a à lieu de faire. Le Niger, par exemple, il y a un nombre important de jeunes au Niger qui ont rejoint Boko Haram pour des raisons économiques. Au Niger, on a lancé un plan de démobilisation. Mais nous ne l'avons pas fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on ait la lucidité de dire aux gens vraiment, au lieu de perdre chaque jour beaucoup de gens, qu'on propose à ces gens, vous déposez des armes, et puis on amnistie, je ne sais pas moi. Parce que ça peut ne pas clair à un certain nombre de personnes. On peut identifier ces personnes facilement. Madame, ces personnes sont connues, c'est la raison pour... C'est des gens qui sont partis de leur village pour aller chercher du travail de l'autre côté. Au niveau de leur village d'origine,
On sait exactement qui est parti. Et si on offre une porte de sortie à ces gens, au Niger, ça marchait. Je ne sais pas pourquoi chez nous, ça ne marcherait pas. Alors, docteur, qu'est-ce que vous ne pensez pas que, malgré tout, le gouvernement a peut-être minimisé un peu cette guerre-là, cet ennemi, au point de penser qu'il avait été vaincu il y a quelques mois encore? Ben, si le gouvernement a minimisé cet ennemi, c'est que le gouvernement n'a rien compris des fondements de ce conflit. Tout en faisant bien les préoccupations des précédents panélistes, je voudrais ajouter aussi qu'on ne doit pas négliger le fait que ça peut être une guerre économique. Ça peut être ce que nous avons appelé dans les temps anciens les conquêtes. Et pourquoi on faisait les conquêtes? On faisait les conquêtes soit pour s'accaparer des villages nouveaux, des richesses d'or nouvelles, ainsi de suite. Et si Boko Haram aujourd'hui devient insaisissable, il faut bien chercher qui est derrière Boko Haram. Et cette hypothèse m'amène à être certifié dans la mesure où des pays entiers comme la Libye ont été détruits. Nous avons connu les problèmes au Mali, en Côte d'Ivoire et dans les autres pays. Le Burkina Faso. Je me dis, le potentiel économique du Cameroun, c'est une déformation peut-être de regarder dans mon angle, contrairement à l'angle stratégique des autres, ou journalistique, je ne sais pas trop. Mais moi, je crois que Boko Haram n'existe pas en tant qu'ennemi du Cameroun. Boko Haram, c'est une construction extérieure et on se sert des gens à l'intérieur pour essayer de tester petit à petit le terrain en attendant peut-être l'attaque massive. Professeur, qui pourrait arriver un jour. Voyez-vous, madame Bichara, dans 5 ans, on dira que la crise anglophone est une fabrication de l'extérieur. Vous allez voir, il y a une succession d'événements qui conduit à la montée de la radicalité dans cette zone. Demain, les anglophones, aujourd'hui, je suis sûr, ont compris, ça ne vaut pas la peine de négocier avec les francophones. Ils ont une forte diaspora. Demain, lorsqu'ils décideront de prendre les armes, pour dédouaner la responsabilité de l'État, nous dirons qu'ils sont manipulés de l'extérieur. Pourtant, nous avons vu la mayonnaise. Permettez-moi, quand vous le dites ainsi, on a l'impression qu'on mettait un nom sur les... Ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est ce que j'essaie un peu de raisonner pour dire que, écoutez, c'est un problème. C'est vrai que c'est un problème qui relevait d'abord d'un contentieux nigéro-nigérien qui a trouvé un contexte socio-économique local favorable parce que la zone, ça fait plus de 100 ans. Grand frère, vous avez appris Rabat à l'école. L'existence d'une culture de la prédation, la zone est propice à l'entrepreneuriat du crime organisé depuis plus de 100 ans. L'État n'a pas pris des mesures nécessaires. On a cru que le taux militaire, ce n'est pas l'armée qui va venir régler la question de l'assèchement du lac Tchad. Ce n'est pas l'armée qui va venir gérer la question foncière, entre autres. Deux aspects importants qui sont à l'origine de la montée de la radicalité. Il n'est pas exclu, puisque là nous parlons d'hypothèse, que des gens aient essayé de pêcher en eau trouble des puissances extérieures. Mais la raison fondamentale de la montée de la radicalité aux abords du lac Tchad est essentiellement politique. La religion ne vient que comme adjuvant. C'est un peu comme la question anglophone. Là, je fais également un parallèle. Aujourd'hui, on va dire la question de la langue anglaise. Non, la langue anglaise a juste permis aux gens de se mobiliser autour, de trouver le dénominateur commun. Mais le vrai problème est politique. La matrice de la radicalité partout dans le monde est politique. L'idéologie n'est qu'un adjuvant. Et justement, la question de la victimisation, les théories du complot ont ceci de pernicieux qu'elles conduisent en cul-de-sac sur la réflexion des causes profondes des problèmes auxquels, de l'animosité à laquelle nous faisons face. Faisons le bon diagnostic, et parce que nous ne l'avons pas fait, parce que nous avons accusé la France, accusé X et Y, nous appliquons des mauvaises thérapies. Beaucoup de bonnes choses ont été dites et rendent compte de la complexité de cette affaire. Et je crois qu'il y a quelque chose qui alimente cette complexité, c'est l'hypocrisie. Il y a une certaine hypocrisie qui veut que les gens ont des choses qu'ils voient, mais qu'ils croient qu'il ne faut pas dire pour être politiquement correct.
Moi qui ne suis pas politiquement correct, je dis que cette radicalité qu'il situe sur le plan politique, mais qu'il dit être alimentée par la religion, moi je pense que nous sommes en face des conflits de religion, des conflits de civilisation, mais les Occidentaux et nous tous, nous ne voulons pas le dire. Nous ne voulons pas le dire. Il y a une religion qui a des apologètes. Grand frère, nous sommes le jour du Ramadan. Il ne fallait pas en parler. Il y a une religion qui a des apologètes, des gens qui font l'apologie, qui sont dans une logique de domination de cette religion sur les autres. Et pour asseoir ça, ils font l'apologie du crime. Je leur ai gardé ce morceau choisi. Je termine par ça, ça ne sera pas long. Rapidement, je vous en prie. Eux qui font l'apologie du crime, qui sachent que le prophète chrétien Ésaïe dit ceci, dans Ésaïe chapitre 38, verset 18. Car ce n'est pas le Sheol qui peut te louer, la mort ne peut pas te célébrer. Ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent se tourner avec espoir vers ta fidélité. Et le prophète termine en disant, le vivant, c'est lui qui peut te louer. Je vous en prie, mais c'est le laissez, il a plus longtemps, je vais lui prendre une seconde. Pour dire que ceux qui pensent, comme vous avez dit, les militaires ne peuvent pas régler un problème qu'on a créé dans les esprits des gens. Tant qu'on aura dans l'esprit de certains peuples dans l'humanité, de certains groupes sociaux, des gens qui enseignent que ils peuvent gagner des causes politiques par l'augmentation sensible du nombre des morts, nous sommes dans le paradoxe. Non, parce que c'est les vivants qui règle les problèmes politiques. Nous ne pouvons pas opposer un radicalisme, un autre radicalisme. Et je crois que le grand frère Elimbi vient de démontrer justement le radicalisme chrétien. La différence, ceux qui tuent. Le paradoxe qu'on est avec la question du terrorisme international aujourd'hui. Non, moi je dis non pour je termine. C'est votre propre bien, je préfère que vous n'alliez pas loin dans cette logique. Je vous en prie. Ce que nous disons tous les jours, c'est que quand il y a des attentats dans tous les pays, il y a deux discours qui se tiennent. Il y a le discours supposé officiel de la civilisation qui vient vous dire, non mais l'islam, c'est une religion de paix. Mais ceux qui tuent au nom de l'islam. Non, monsieur Elimbi. Qui tue au nom de l'islam. L'inquisition, c'était pas les musulmans. L'inquisition a fait plus de morts que Boko Haram et tous les autres groupes. Bien sûr. La première guerre mondiale, c'était pas les musulmans. C'était des nations catholiques qui ont provoqué la première et la deuxième guerre bien mondiale. Bien sûr. Les radicalismes existent partout. Ont existé. Existent partout. Mais l'armée de résistance du Seigneur, c'est un autre groupe qualifié comme terroriste qui sévit à côté de la RCA. C'est connu de tous. Vraiment, vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous laisser, grand frère, c'est la fascination que j'ai pour vous, vous laisser en jour de fête de Ramadan stigmatiser toute une communauté. Alors, je ne stigmatise pas de le monde entier a démontré le rapidement, on va parler de... Je stigmatise ceux qui instrumentalisent une pensée religieuse. Alors, rapidement, on va parler de ce... Je vous en prie. Malheureusement, le temps s'achève. On va parler rapidement de ce forum de la diaspora, car je le disais en début de mission, j'ai vraiment une question, mais je préfère commencer par à mettre Biton qui nous a rejoint. Martin Biton, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau, justement sur cette question de la diaspora. Un forum, le premier donc forum de la diaspora qui va se tenir du 28 au 30 juin à Yaoundé. Qu'est-ce que on peut attendre d'une telle rencontre, avec tous les problèmes qu'on évoque concernant la diaspora camerounaise, environ 5 millions de personnes qui sont hors du Cameroun. Qu'est-ce que vous attendez-vous d'un pareil forum? Merci Albertine, merci. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs et à mes co-panélistes. Le problème de la diaspora est encore très mal perçu
n'est-ce pas, dans nos pays. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y a toutes les expertises dans la diaspora, il y a toutes les compétences, aussi bien techniques que professionnelles, que managériales. La diaspora, nos frères de la diaspora veulent faire la mutualisation en matière d'expertise, de professionnalisme, et ainsi de suite. Mais, malheureusement, lorsqu'ils arrivent au pays, ils sont pratiquement découragés. Voyez-vous, Emmanuel Macron, qui vient d'être élu, a déclaré dans ses premiers discours que l'Europe, la France, attend qu'il soit le président de l'esprit de lumière, de l'esprit de justice, de l'esprit d'entrepreneuriat, de l'esprit d'éthique. Ça, c'est de très bonnes notions, n'est-ce pas, sont valables aussi pour les pays africains. Mais quand nos frères de la diaspora viennent avec de très bonnes idées, avec tout ce qu'ils ont comme compétences et tout, mais on leur oppose encore le fait qu'ils soient camerounais ou africains, et on donne le ton ou la prééminence soit aux Européens, soit aux multinationales, et finalement, ils ne prospèrent pas. Je viens de vivre un cas, n'est-ce pas, à Kribi, où un jeune Camerounais d'à peu près 30 ans est bardé de diplômes, est allé, n'est-ce pas, chercher un expatrié qui ne connaissait le Cameroun ni d'Ève ni d'Adam. Et il a fait toutes les prospections, n'est-ce pas, au niveau des recherches, au niveau des contacts, au niveau même des premiers investissements avec son argent, de près de 100 millions. Il ramène donc l'expatrié sur un problème, n'est-ce pas, des énergies renouvelables, notamment la biomasse. Et voilà que l'expatrié vient, et bien qu'ils aient signé un contrat en bonne et due forme, il a mis de côté, il est allé faire une autre société, n'est-ce pas, et il est en train de faire partir un bateau de près de 30 000 tonnes de biomasse en écartant complètement celui qui était à l'origine de cette étude. Vous voyez, je termine là, mais ça veut dire que de l'autre côté, on considère encore l'Afrique, n'est-ce pas, comme une plantation de l'Europe, et du coup il y a ce capitalisme sauvage qui, n'est-ce pas, est en train de sévir et en train de décourager. Raoul Motayo, est-ce que les problèmes de la diaspora ne sont pas un peu les mêmes que nous rencontrons, nous aussi qui sont le pays? C'est vrai, ils ont leurs problèmes spécifiques à eux. C'est plus exacerbé. Oui. Le Cameroun, je crois qu'on a besoin d'une conférence nationale pour la diaspora. Nous avons commencé sur de très mauvaises bases. Quand vous voyez un peu, le Cameroun a un contentieux historique avec sa diaspora. Ceux qui sont allés en Europe dans les années 50, sous le président, je vous décrirons un peu, la situation n'a pas changé. Nous sommes l'un des rares pays au monde où le chef de mission diplomatique n'est pas là pour protéger les intérêts de ses populations, mais plutôt pour traquer les subversifs. La place des services de renseignement, la place importante que continuent à occuper les services de renseignement dans nos missions diplomatiques, traduit un peu. Il faut changer de perspective. Ne pas voir dans la diaspora des subversifs, mais des moteurs, des leviers du développement. Je crois que de ce point de vue, la rencontre, vraiment, je n'en entends pas grand-chose, c'est pas par pessimisme, parce qu'on n'a pas réglé un certain nombre de préalables. Tenez, par exemple, ça fait bientôt un peu plus de 5 ans, bientôt 10 ans, que le président a prévu de régler la question de la double nationalité. Cette épineuse question empêche aux intelligences camerounaises. Aujourd'hui, tenez, par exemple, vous vous souvenez, à la Sokama, à l'époque, nous avons un digne fils du Cameroun qui n'a pas pu, justement parce qu'il avait la double nationalité, qui n'est pas reconnue. Docteur Alakan va sortir.
Ben écoutez, sur cette rencontre, oui, c'est une rencontre qui aurait pu être la plus élogieuse qui soit pour le Cameroun et son développement. Malheureusement, les Camerounais eux-mêmes, notamment les dirigeants, n'ont pas besoin des expatriés pour deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas besoin de leurs compétences compte tenu de leur propre incompétence. Ils ne veulent pas se remettre en cause. Ils ne savent pas qu'en étant à côté d'un bon chauffeur, on devient un bon chauffeur. Et la deuxième raison, c'est que, comme il a dit, la question de la double nationalité n'est pas réglée. Vous ne pouvez pas avoir des gens très bien formés, mais qui ont pris la double nationalité pour des raisons de survie, et dire, parce qu'une loi l'a dit, qu'ils ne sont plus Camerounais. Ce n'est pas seulement le problème de Manu Dibango, Ndidi et Yango, ils sont nombreux. Donc c'est l'un des questions du problème de la diaspora. Rapidement, on termine, vous avez 30 secondes. Je dissocie la question de la double nationalité de celle de la diaspora. Il y a des millions de Camerounais à l'étranger qui n'ont pas changé de nationalité, qui sont Camerounais, qui ont les problèmes que ceux qui ont changé de nationalité ont lorsqu'ils reviennent au Cameroun. Ce que je veux dire, c'est que le Cameroun n'est pas spécialement mal organisé contre les gens de la diaspora. Il est seulement mal organisé. Les problèmes de lenteur administrative sont les problèmes qu'on rencontre que nous avons ici, c'est les mêmes problèmes qu'un Camerounais de la diaspora, quand il arrive ici avec un projet de n'importe quelle nature, va rencontrer. Mmh. On ne fabrique pas un problème spécialement pour lui. Donc je leur dis que... Mais parce que pour vous, la diaspora n'a pas un problème. La double nationalité, je veux dire, n'est pas un problème. Non, non. Quand les Chinois... Il n'y a pas un obstacle à l'investissement des Camerounais. Ça, c'est deux débats qu'il faut séparer. Quand les Chinois investissent ici, ils ne prennent pas la nationalité camerounaise. Ils investissent. Celui qui veut investir, il vient, il investit. L'investissement, c'est une question d'argent. Point. Les dysfonctionnements qui découragent les Camerounais de l'étranger sont les mêmes qui découragent les Camerounais qui sont ici. Ce que je veux dire aux Camerounais, moi je parle aux Camerounais. Je ne parle pas à ceux qui sont d'origine camerounaise. Parce que ceux qui sont d'origine camerounaise ont déjà pris d'autres nationalités qui s'occupent des affaires. Je suis obligé de vous retirer la parole parce qu'on n'a pas. Je vous en prie. Aidons-nous mutuellement à enlever. Maître Martin Béton à la parole. Allez-y. Oui, allez-y. D'accord avec toi, Edibi Lobé, mais ce sont des Camerounais. Le Chinois qui arrive ici est vu comme le Chinois. Mais le Camerounais avait la double nationalité qui arrive ici est d'abord vu comme un Camerounais. Oui, mais moi je dis que quand ça, je vous en prie, je vous en prie. Et quand ça arrange certains gouvernants, ils évoquent la double nationalité. Ouais. Quand ça ne les arrange pas, parce qu'on connaît les grands dirigeants qui ont la double nationalité et qui occupent des postes très importants. Non, mais je dis que nous devons faire un état, des états généraux de la diaspora et essayer de. On a l'impression que nous avons peur de la vérité, on a peur de la lumière, on a peur, n'est-ce pas, qu'on se parle. Il alors, vous espérez que ces problèmes seront abordés à ce forum-là, oui. Et que ça pourra porter des fruits. Mais bien sûr. Vous connaissez l'agenda du forum. Allez-y. Non, moi je voulais dire une chose. Hein. Faut dire le contexte. Là, je reviens au contexte. Ce forum intervient après que les autorités camerounaises en aient fait interdit un nom au Burkina et à Abidjan. Je crois que ne serait-ce qu'à ce niveau, il y a une scission. Vous aurez certainement une certaine diaspora à Yaoundé, une autre qui ne viendra pas. Malheureusement, c'est le cas. Moi, je pense qu'il est important, contrairement au grand frère Libby, vraiment, je pense qu'on devrait cesser de criminaliser justement nos compatriotes qui, pour des raisons économiques, ont pris notre. Quelles raisons économiques? Mais des raisons nous avons tous été à l'étranger. Aucun problème de survie à l'étranger ne s'est réglé par le changement de nationalité. Si tu as la parole pour moi, mon contraire, c'est que tu veux que je prenne la parole là-dessus, justement. Monsieur Elimi, vous allez prendre la parole si vous voulez. Non, Samuel Eto'o, d'accord. Samuel Eto'o, pour des raisons économiques,
après la nationalité espagnole. Quelle raison? Rigobert, quelle raison? Pour jouer au ballon, je vous ai dit, parce que monsieur, vous l'avez laissé, monsieur. Il y avait des quotas européens dans les clubs. Voilà. Tout simplement. Mais écoutez, tout les personnes, et tous ces Camerounais, monsieur Libinobé. Monsieur Libinobé, je vous ai dit. Monsieur Libinobé, s'il vous plaît. Les intérêts variables des individus. Ok. Alors, si on pose la question ainsi, Libinobé, qu'est-ce que nous allons dire des Camerounais qui nous gouvernent et qui ont la double nationalité? Mais ils ne doivent pas être là. Mais ils sont là pour ça. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus. Je vous en prie, merci d'être venus pour cette édition. C'est la fin de cette édition. Est-ce que je peux conclure l'émission, s'il vous plaît? Vous avez vu à Tangalavé, ça double. Je vous en prie. L'argent, elle a amené ça à l'étranger. Merci à vous d'être venus, chers messieurs, pour cette édition Droit de Réponse. C'est la fin de cette émission. Bon dimanche à tous. Bonjour à tous et bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane. Merci à vous d'être en notre compagnie pour ce nouveau numéro de Droit de Réponse, votre émission de débat hebdomadaire sur Equinox Télévision. Avec nos chers invités, nous décrypterons les sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. D'abord, la circulaire du chef de l'État relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2018, document relayé par la presse il y a quelques jours et que certains tabloïds ont commenté en estimant qu'on y retrouvait des omissions. Le président de la République, dont les directives édictées dans cette circulaire pour le budget à venir, n'a nulle part mentionner les échéances électorales à venir, ce qui, de l'avis de quelques journalistes, pose problème. Au-delà, on apprend de ce document qu'une fois encore, réduire le train de vie de l'État est une priorité pour ce budget-là, mais également parachever donc le plan, la mise en œuvre du plan d'urgence triennal débuté en 2015. Nous nous arrêterons donc sur cette sortie du président de la République à travers cette circulaire dans cette édition de Droit de Réponse. Nous en parlions déjà dans nos plateaux il y a quelques semaines et malheureusement, les récents événements nous donnent raison. La situation à l'extrême nord du pays devient préoccupante. Une quinzaine d'attaques en un mois seulement et près de 30 morts. Sur la même période, la secte Boko Haram semble reprendre du poil de la bête. Que se passe-t-il à Kolofata et à Mora? Comment faire face à ce nouveau regain de vitalité des terroristes? Peut-on y faire face? Nous parlerons également de cette situation dans cette émission. Et avant de refermer ce débat, un mot sur le premier forum de la diaspora qui est annoncé dans la capitale du 28 au 30 juin prochain. Que peut-on attendre d'une telle rencontre? Je poserai la question tout à l'heure à mes invités. Mais avant cela, vous le savez, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo pour voir et comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus cette semaine. Bon dimanche à vous, Flavien. Bonjour et bonne fête à tous les fidèles musulmans. Merci pour les fidèles musulmans. Merci pour cette fête. Et alors, on revient donc sur les sujets prévus cette semaine. D'abord, je le disais, cette circulaire du président de la République donc relative à la programmation du budget de l'exercice 2018. Alors, la question, selon dans la presse notamment, la question du budget 2018 intéresse la presse. On a vu tout le long de cette semaine les journaux qui sont revenus, et avec notamment chaque journal qui allait de sa sensibilité pour traiter de cette question notamment. Alors, pour Mutation, par exemple, Poubia ne prévoit pas d'élection en 2018. C'est ce qu'on a pu lire à la une de ce journal. Selon Le Quotidien, la circulaire irrelative signée mardi dernier ne fait pas mention donc des quatre scrutins censés se dérouler l'année prochaine, et selon bien sûr le rédacteur de l'article qui s'étale d'ailleurs sur trois pages et qui signait donc du chef de l'État, qui donne aucune orientation sur les élections prévues en 2018, mais fait la part belle donc au projet structurant. Ces mutations rappellent que Poubia est le seul maître, ou tout au moins reste le seul maître du jeu dans les colonnes du quotidien Mutation. Pour ironiser un peu, il est dit que nul ne sait ni le jour, encore moins l'heure où le chef de l'État prendra l'engagement ou tout au moins la décision d'organiser les élections au Cameroun. Même si par ailleurs, Mutation rappelle que selon bien sûr Ilecam, que le gouvernement camerounais avait donc financé la dernière présidentielle à hauteur de 21 milliards de francs CFA, et ce sur fonds propres du Cameroun. Alors c'est à découvrir dans le journal ce qu'on a pu lire ce matin. Et sur cette question donc, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune fait savoir que les postes de dépenses sont plutôt à surveiller. On parle par exemple des consommations de l'électricité, des téléphones, l'achat et répartition des véhicules, la subvention et autres ressources
alloués donc au comité et commissions feront désormais l'objet d'une allocation donc rigoureuse, selon bien sûr le journal. À la suite donc de tout ça, Cameroun Tribune ne fait aucune mention sur les scrutins à venir censés donc se dérouler en 2018. On observe néanmoins que la circulaire du 20 juin dernier ne mentionne nulle part le budget des élections pour l'année 2018 au Cameroun. Alors, c'est ce qu'on a pu lire également dans le journal concernant ce budget, et la plupart des journaux n'ont pas beaucoup traité de cette question, même si quelques-uns sont restés sur cette affaire pour dire qu'il y a bien des choses que le chef de l'État devrait faire, en tout cas beaucoup plus pour 2018. Il y a également des chantiers qui ne sont pas achevés. Il a mis un accent dessus. La presse est revenue également en essayant de décrire un peu le fonctionnement du Cameroun. Alors, autre sujet, le second notamment de ce grand rendez-vous du droit de réponse concerne bien entendu la résurgence des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord, la région notamment. Alors, pour le quotidien Le Jour, la location ou la localité de Kolofata cesse de compter les morts suite donc aux attaques de Boko Haram. Le rédacteur de l'article rappelle qu'il y a eu 10 personnes tuées donc en 24 heures, 8 à Kolofata dans un attentat suicide, et 2 réfugiés nigériens tués donc dans la localité de Fadié. Donc le quotidien Le Jour fait savoir que le nouveau mode opératoire de Boko Haram est moins maîtrisé par les membres du comité de vigilance, qui aujourd'hui ne maîtrisent plus trop cette façon de faire, mais observe quand même qu'il y a des pistes qui sont donc renouées ou sont tout au moins relevées par la population, qui aujourd'hui commence peut-être à perdre confiance. Pourquoi? Pour quelles raisons? De toute façon, le journal est resté sur cette affaire pour dire qu'il y a donc des méthodes à revoir, les méthodes de travail bien sûr, de ces membres du comité de vigilance. Pour les du Sahel, au-delà donc de l'annonce du nombre de victimes, précise que les kamikazes ont ciblé un groupe de jeunes volontaires qui curaient les caniveaux, et parmi eux, des élèves venus donc passer des vacances dans leur famille. Le journal L'œil du Sahel rappelle que certains parents déplacés qui s'apprêtaient donc à retourner dans leur village ont donc dit qu'ils ne rentrent plus à cause notamment de ces multiples attaques, et selon notamment le journal, d'ailleurs le journal Repère, qui parle donc aussi de cette ces actions de Boko Haram, va plus loin dans le traitement de son information pour dire que le Cameroun serait donc en train de perdre une éventuelle aide que le département d'État américain lui apporte donc dans la lutte contre Boko Haram. Et selon bien sûr le rapport, le Cameroun ne reste pas à marge donc des droits de l'homme. Aujourd'hui, le Cameroun est placé comme le mauvais élève dans le cadre du respect des droits de l'homme au Cameroun, donc dans notre pays. Alors sur le plan sécuritaire, dans la guerre contre Boko Haram, c'est un véritable problème. Et le journal va plus loin et ajoute qu'il y a le mauvais traitement de la crise anglophone qui pourrait donc apporter d'autres aspects relevés par le rapport qui a été donc fait par les organisations internationales national sur le respect des droits de l'homme au Cameroun. Voilà quelques aspects évoqués par le journal et comment est-ce que ces sujets ont été traités par la plupart des journaux. Et comme vous l'avez également dit, on parlera aussi de la diaspora, ce forum qui va se tenir donc du 28 juin au 30 de ce mois. Exactement. Merci à vous, Flavien, pour ces précisions et cette revue de presse. Et une fois encore, bon dimanche. Merci. Merci à vous. On va donc découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droit de réponse. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous le docteur Pierre Alakalaka. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir associé à votre merveilleuse émission. Alors, vous êtes économiste fiscaliste, vous avez commis plusieurs ouvrages dans ce domaine, vous êtes à la tête d'un cabinet spécialisé justement dans les questions de fiscalité et finances publiques. C'est exact. Merci d'avoir accepté une fois encore d'être avec nous. Bonjour à vous, docteur Raoul Sumotayo. Bonjour madame, bonjour à vos téléspectateurs. Je suis content d'être là pour une très longue absence. Mon plaisir est d'autant plus grand que je retrouve le docteur Alaka qui, après un accident, est là. Il a pu gravir tous les escaliers, je suis content. Et puis, je voudrais partager ma joie avec vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur en questions de défense et de sécurité. Et vous avez justement récemment soutenu une thèse de doctorat dans les questions de stratégie de lutte contre le terrorisme, entre autres. Oui, c'est le peu que l'on peut en dire. C'est un peu compliqué. Non, pas tant que ça. J'ai revisité la gouvernance des périphéries du Cameroun. J'ai remis en question un certain nombre de lieux communs sur les frontières africaines. Ça a été, sans prétention aucune, une sorte de révolution épistémologique, parce que vous savez, pendant longtemps, les Africains ont passé le temps à pleurnicher sur la question de leurs frontières, considérées comme la source de tous les maux.
voilà, j'ai essayé de changer de regard. Je prends juste un exemple. Pendant longtemps, la présence des peuples de part et d'autre de la frontière était considérée comme un stigmate de la colonisation, comme un problème. Aujourd'hui, je perçois ces peuples-là comme une opportunité de coopération. Dans un contexte d'échec de l'intégration par l'euro, la présence des peuples dits traits d'union peut constituer un atout, justement, pour la construction de l'unité de l'Afrique. C'était un peu ça, quoi. On en parlera tout à l'heure et on verra peut-être si les questions des frontières peuvent être une solution, peut-être pour éviter l'instabilité qu'on observe dans ces, ces villes frontalières. Bonjour à vous, Elie Milobé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir associé une fois de plus à la réflexion. Je me joins au docteur Tayou pour me réjouir très publiquement de la santé que le docteur Alaka a recouvrée. Je dois dire que beaucoup de ses amis, parmi lesquels moi-même, nous avons été très émus du drame qui lui était arrivé et nous sommes heureux qu'il nous retrouve de nouveau dans ces grands amphithéâtres que vous organisez pour essayer de faire en sorte que la pensée globale dans le pays évolue. Merci d'être là en politique. Vous êtes également conseiller municipal à la commune de Douala 5e. Bonjour et bon dimanche à vous, Edmond Kamga. Bonjour Albertine. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue également tous les copanélistes ici présents, en particulier le docteur Alaka Alaka, qui est de retour après une période difficile qu'il a traversée. Je lui souhaite de se rétablir totalement, convenablement, pour être toujours aussi présent avec nous. J'adresse également mes sincères félicitations, n'est-ce pas, au docteur Raoul Soumotayo, qui a, n'est-ce pas, soutenu récemment sa thèse PhD en histoire. Merci à vous donc, cher monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc commencer directement ce débat par le premier sujet. Je parlais de cette circulaire du chef de l'État rendue publique cette semaine, relative donc à la préparation du budget de l'année prochaine. Le document fixe les orientations générales de la politique budgétaire ainsi que les dispositions pratiques. Qui n'avait pas prévu qu'il y aura une CAN en 2019. Je l'avais... Quand j'ai dit ça, j'avais discuté avec des amis et on était un peu comme on discute aujourd'hui sur les élections. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une ordonnance qui entraîne automatiquement la mise en place ou le vote d'une loi de finances rectificative. Donc, ce qui peut arriver, c'est que peut-être en 2018, on va retomber dans les mêmes travers, reconvoquer le Parlement pour voter le montant qui va soutenir les élections présidentielles et les autres élections. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce genre de fonctionnement? D'avoir des notes rectificatives qui arrivent après, des déficits budgétaires, des problèmes d'argent, comment ça peut s'expliquer? Mais sur le plan des finances publiques, ça s'explique par l'absence de sincérité. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent nous cachent beaucoup de choses. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas la transparence budgétaire qui est exigée de tous les États. Et vous imaginez... ce budget, par contre, en revanche, a dit clairement qu'on va combattre les faux matricules. Et là-dessus, je voudrais mettre quiconque au défi de me dire comment on va combattre ces faux matricules. Parce que ces faux matricules, on y arrivera, parce que ces faux matricules, les faux matricules, c'est les fonctionnaires fictifs, sont connus de la présidence, du premier ministère et du ministère des Finances, des gens. Et qui ont chacun en lui 4 matricules. Pour lui, on les distribue. On reviendra sur la question, juste pour sortir sur cette question des élections. Les politiques qui ont réagi et la presse a donc raison de s'inquiéter de cette omission avec Mokamga. Effectivement, la presse a raison de s'inquiéter de cet oubli. Je préfère mettre... Cet oubli. Cet oubli entre guillemets. Et en me focalisant sur la réaction de tout à l'heure du docteur Alaka Alaka qui parle de manque de sincérité. Et finalement, la presse a donc raison d'avoir évoqué ce problème. Et je pense que la presse est dans son rôle, n'est-ce pas, d'éclaireur, de sentinelle, de veille, de vigile. Et on voit bien, et nous l'espérons, que d'ici, n'est-ce pas, le mois de novembre, peut-être que le chef de l'État va essayer, peut-être dans une autre circulaire, de réajuster, de permettre en sorte qu'au moment même où les députés vont siéger en novembre pour voter le budget proprement dit, qu'il y ait une lisibilité, une traçabilité, pour qu'on n'évolue plus dans une situation d'incertitude.
Vous constatez bien en lisant, n'est-ce pas, cette circulaire, qu'on a bien évoqué la CAN 2019. L'oubli, on l'a oublié peut-être l'année dernière, mais cette fois-ci, on a mentionné la CAN 2019. Cela signifie qu'il y a une avancée, n'est-ce pas, au niveau des préparatifs, au niveau de l'élaboration des budgets qui vont soutenir, n'est-ce pas, la concrétisation de cette CAN-là. Donc, globalement, restons en attente de voir que demain, peut-être, il y aura une autre rectificative, peut-être aussi, pour qu'il y ait une clarification sur ce point. Vous voulez réagir rapidement? Oui, je voulais dire que le docteur Alaka a évoqué la perspective d'utiliser le budget rectificatif. La notion de budget rectificatif est une notion parfaitement qui est acceptée dans les finances publiques. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous, qui combattons ce régime, nous savons que le président fait tout ce qu'il peut pour surprendre. Et nous savons aussi que certains d'entre nous ont pris l'habitude d'utiliser les élections comme une source, une rente. S'ils savent maintenant combien de fois le président a prévu pour les élections, vous allez voir les partis politiques se créer comme ça. Plein. Donc le président, peut-être qu'il ne veut pas qu'il y ait trop de partis pour la première fois, ça m'étonnerait d'ailleurs. Il décide donc d'attendre un peu. Comme ça, en mai ou en mars ou en juin de l'année prochaine, il va sortir son budget. Ça fait partie d'une stratégie. Voilà, ça fait donc partie de ses calculs politiciens. Pour créer le doute, peut-être empêcher, ça m'étonnerait, parce qu'il aime bien qu'il y ait 30 candidats. Mais comme nous savons qu'avec la disposition du code électoral qui fait que tout le monde ne peut plus être investi par un parti politique, nous savons en l'état actuel des choses qu'il n'y a que 22 partis politiques qui sont capables d'investir un candidat à la présidence, parce que ce n'est que 22 partis politiques qui ont des élus. Tous les autres partis politiques qui sont en train de se créer là, leurs candidats seront des candidats indépendants. Très bien. Parce qu'ils vont remplir les mêmes conditions que les candidats indépendants. Donc ce qui m'intéresse, c'est de dire à mes amis de l'opposition que en 2013, il y avait 32 partis politiques contre le RDPC. Les 32 partis politiques là étaient absents dans 115 communes. Et que le 2 août 2013, le jour où Elecam a publié les listes des candidats, ce jour-là, le RDPC avait déjà gagné 115 communes. Savoir s'il y a budget ou pas, si nous ne sommes pas en train de travailler pour corriger cet état de choses, quand il va lancer les élections, il y aura plus de 32 partis politiques absents dans plus de 115 communes et le RDPC aura gagné avant que la compétition n'ait lieu. Alors, globalement... Le modeste historien que je suis, quand il rentre justement dans le longtemps historique, c'est que généralement, le budget des élections est financé par un budget spécial, par des fonds spéciaux qui très souvent viennent de la Société nationale des hydrocarbures et puis qui ne figurent pas généralement dans le budget. J'ose croire, parce qu'aujourd'hui, la question est simple. Généralement, les hommes politiques, par paresse, vous évoquent la question de l'illisibilité du calendrier électoral. Le calendrier électoral est connu. Tout expert en question, même pas nécessairement des experts, tout Camerounais devrait savoir que la probabilité que les élections se tiennent dans telle fourchette, vraiment devraient le savoir, les hommes politiques plus que les citoyens d'ailleurs, et devraient se préparer. Donc, de mon point de vue, les élections, et c'est là où je le rejoins justement, auront certainement lieu, sauf circonstances exceptionnelles. Et contrairement à lui, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je veux dire, on a longtemps évoqué la guerre. Aujourd'hui, c'est pas faire preuve de pessimisme ou de fatalisme que de reconnaître que le Cameroun n'a plus d'argent. En tout cas, les fonctionnaires le savent mieux que quiconque, il n'y a pas d'argent. Ceux qui ont les rappels en mémoire le savent, les prestataires le savent, il n'y a pas d'argent. Et on invoque généralement la guerre à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'exclus pas la possibilité d'une prorogation. Vraiment, là, je suis en termes d'hypothèses. Mais en vertu de la loi et en absence de circonstances exceptionnelles, les élections auront lieu en 2018. Et comme d'habitude, m'inspirant de l'histoire, comme je disais tout à l'heure, il est fort probable que justement les élections soient fixées par des ressources qui généralement ne viennent pas du budget, c'est-à-dire le président de la République donne une instruction au directeur de la FNH pour demander le déblocage. De toute façon, ça s'est vu dans l'histoire. Est-ce que l'histoire va se répéter? Ça, je ne sais pas.
Je voulais juste dire un petit truc à sa suite pour dire que ce que vous venez de dire, vous devez nuancer ça. Parce que le code électoral prévoit que le financement des campagnes électorales est dans le budget. Justement, ça n'obéit plus à ce que vous venez de dire. Justement, et le code électoral précise très bien que ce budget est voté l'année pour l'année des élections. Alors justement, donc, les spéculateurs sont en droit de dire que comme 2018 est une année électorale, son budget devrait pouvoir ressortir la part réservée aux élections. Si tel n'est pas le cas, eh bien le président sera en faute avec son ministre des Finances. Vous nous, on n'y est pas à vous nous rejoignez un peu. Docteur Alakalaka, sur la question justement, faire une circulaire qui mentionne justement les priorités pour le budget. On le disait tout à l'heure, et les camarons du public, rapport pour dire que les élections avaient été financées à hauteur de 21 milliards, les dernières, la présidentielle dernière, sur fonds propres de l'État. Alors, est-ce que ça ne pose pas problème de faire des perspectives sur un budget à venir sans mentionner les échéances électorales? Même si on peut, comme le dit Elie Milobé, revenir, le président peut revenir avec une autre note sur le sujet. Je donnerai ma modeste contribution du point de vue des finances publiques. Dans un État démocratique, et je crois que nous nous sommes, c'est pour ça que M. Elie Milobé tonne pour que les élections aient lieu conformément au calendrier. Et dans un État de droit, je crois que nous en avons un, et c'est pour cela que le budget est voté, pour que les dépenses ne soient pas faites de manière désordonnée et inconnue, pour que chacun joue son rôle dans l'establishment de la légalisation et de la légalité des actes institutionnels. Alors, j'ai lu, comme tout le monde, cette circulaire et les journaux ont vu juste. Il manque un détail très important dans cette circulaire. Parce qu'en finance publique, cette circulaire s'appelle la lettre de cadrage du budget de l'État. Et c'est là où le président de la République, qui dispose du pouvoir de définir la politique de la nation, indique ce qui va être pour lui les grandes priorités de l'année N plus 1. Et c'est pour ça que le fonctionnement de l'État autorise que son budget soit élaboré dans l'année qui suit l'année de l'exécution de ce budget. Donc le président de la République a le devoir, parce que c'est une procédure du travail gouvernemental, cette lettre-là. Elle n'est certes pas dans la liste des documents officiels ou constitutionnels, mais cette lettre est une lettre de cadrage qui permet au président de la République de dire ce qu'il pense. Maintenant qu'un événement comme les élections soit connu de tous et que le budget de 2018 ne prévoit pas cet événement d'envergure nationale, il y a un problème. Soit on fait abstraction de ça, dont les élections n'auront pas lieu parce qu'on n'a pas prévu de financement, soit alors les élections auront lieu et seront financées par quelque chose que nous ignorons, et en ce moment on n'est plus dans un état de droit. Donc dans l'un ou l'autre cas, cette circulaire pose tout le problème de la sincérité budgétaire dans nos états, et particulièrement au Cameroun. Regardez le budget qui est en train d'être exécuté aujourd'hui. Pour l'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2018, un document qui globalement présente donc les priorités de ce budget. Edmond Kamga, on va commencer avec vous. Au-delà des directives du chef de l'État, dans ce document, la presse, les journaux en général sont revenus sur ce qu'ils ont considéré comme étant une omission. Le chef de l'État nulle part n'évoque les échéances électorales à venir, de 2018 notamment. Est-ce que pour vous cela pose un problème? Comment est-ce que vous avez apprécié cette sortie de la presse cette semaine? Oui, d'abord il faut dire que la circulaire que sort le chef de l'État, n'est-ce pas, pour fixer la politique générale budgétaire ainsi que les dispositions pratiques pour l'élaboration du budget de l'exercice en cours ou prochain, notamment dans le cas d'espèce, c'est l'exercice 2018, c'est quelque chose de normal et d'habituel. Par contre, c'est le contenu qui pose problème. Par rapport à tout ce que le Cameroun est en droit d'organiser en termes de compétition, que ce soit sportif ou électoral, et la presse a beaucoup insisté sur un aspect, sur l'aspect électoral, parce que le document rappelle le cas de l'organisation de la CAN, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique des Nations, mais semble avoir oublié
hein, semble avoir oublié des échéances électorales qui sont très attendues. Il y en a plusieurs. Il faut dire qu'il y aura les sénatoriales, il y aura les élections législatives, les municipales et puis les présidentielles et éventuellement les régionales qu'on attend depuis très très longtemps. Donc la presse a beaucoup mis l'accent là-dessus. La plupart des médias d'ailleurs de la presse privée ont focalisé sur cet aspect-là. On n'a pas ressenti la même implication, le même accent dans les médias d'État qui ont rendu compte tout simplement, donné le contenu, n'est-ce pas, de cette circulaire, mais la presse privée a mis l'accent, a focalisé sur ce point qui suscite des interrogations. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle cela suscite effectivement des débats dans les chaumières, mais également dans les partis politiques et au sein de la société civile. Élie Bilobé, est-ce que cela pose problème que le chef de l'État n'ait pas mentionné justement ces échéances électorales dans cette sortie, en rappelant par exemple qu'il a parlé de grands événements comme la CAN 2019? Est-ce que pour vous, il y a une omission quelque part? Je veux dire à tous les acteurs politiques, notamment de l'opposition, que nous avons pris une mauvaise habitude de perdre notre temps dans des conjectures inutiles. Moi, je ne sais pas ce que ce débat nous apporte. Tout le monde sait, sauf si les gens veulent continuer à montrer au président de la République qu'il les surprend. Mais tous ceux qui sont sérieux savent que la manière de gouverner du président, c'est de se placer tout le temps dans une posture énigmatique, de jouer le mystère, pour qu'on dise qu'il a le dernier mot. Ceux qui veulent continuer à avoir ce type de comportement spéculatif, ils n'ont qu'à faire. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Les élections auront lieu. Un point, c'est tout. Le budget se vote en novembre. Elles auront lieu. Qu'est-ce qui vous rassure dans cette position? Je n'ai pas besoin d'être rassuré. Elles auront lieu. C'est un impératif catégorique majeur. Si elles n'ont pas lieu, c'est une faute. Les élections auront lieu. Les mandats vont se terminer. Le mandat des sénateurs va se terminer en avril. Le mandat des députés va se terminer en septembre. Les prorogations existent aussi. Hein. Mais les prorogations sont des situations exceptionnelles qui doivent se justifier. En l'état actuel des choses, aucune situation exceptionnelle nous amenant à penser qu'il y aura des prorogations. N'étant là, ceux qui pensent aux prorogations consacrent tout simplement qu'ils sont convaincus qu'il y a une telle mauvaise gouvernance que le président de la République a créé les conditions pour qu'on ne sache plus si dans un pays il y aura les élections ou pas. Mais nous sommes dans une lutte, chers compatriotes, chers amis, chers frères de lutte. Nous sommes dans une lutte, n'oubliez pas ça. Nous sommes dans la lutte pour que les choses se passent normalement. Donc nous ne devons pas faire des conjectures dans la probabilité qu'un mauvais dirigeant va faire une nouvelle fois une mauvaise chose. Je voudrais terminer en disant aux uns et aux autres que le budget se vote en novembre, pas en juin. Le président de la République peut faire maintenant une lettre de cadrage et faire une autre demain. Il n'est nulle part dit que la circulaire où il indique au gouvernement les orientations. Elle n'est pas prévue par une loi, cette circulaire. Elle n'est pas prévue par la Constitution. C'est un acte de gouvernement, c'est un acte discrétionnaire. Il est en train de dire au ministre qu'est-ce que le ministre doit mettre comme priorité. Il peut lui ajouter une autre priorité demain. En novembre, en octobre, il peut sortir une autre lettre pour lui dire. Vous ne savez pas s'il lui a déjà dit au téléphone que met 10 milliards pour les élections. Très bien. Donc ne faisons pas de spéculation là-dessus. Nous avons un président qui n'aime pas que les choses soient lisibles. Pour qu'on commence à parler de lui, qu'on perde le temps à regarder, il a dormi, on crie, il est parti voyager, il n'est pas encore rentré. Donc laissons ça, préparons nos élections. On sait que les élections auront lieu. Ah oui, c'est sur la question. Sur la question, je partage partiellement le point de vue de M. Lobé. Sauf qu'il n'y a que les aveugles qui refusent de voir. Parce que les élections sont prévues pour 2018, elles auront lieu.